Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 20 de notre aventure d'Aix-les-Bains sur Minecraft et on se retrouve aujourd'hui pour la partie 3 de la place Carnot. Donc au dernier épisode on a fait ces deux petits bâtiments, on a également fait celui-là et on a complété la place. Et dans cet épisode on va finir un petit peu donc les trois bâtiments qui se situent ici. Et on ira peaufiner un petit peu les détails dans la place, mettre les lampadaires, c'est très important. Et puis finaliser un petit peu tous les toits, hein, ce serait plutôt cool. Puis du coup, bah, je vous laisse pour un petit timelapse et admirer les bâtiments. Et re tout le monde, donc on se retrouve au-dessus de la place Carnot et comme vous avez pu le voir dans le petit timelapse, j'ai fait les petits bâtiments qui se trouvent ici. Donc celui-là et celui-là. Et puis j'ai également commencé un petit peu le toit. Alors j'attends un petit peu parce que il faudrait que je fasse les façades qu'il y a derrière avant de le faire. Donc pour l'instant je vais laisser comme ça. Et pour la fin de cet épisode, on va s'attaquer à l'hôtel Métropole. Donc qui part d'ici et qui va jusqu'ici. Et il y aura un petit bâtiment à faire également, mais ça, on verra sans doute pour un prochain épisode. Et ben, comme d'habitude, je vous laisse pour un timelapse. Et donc, on se retrouve en bas de l'hôtel Métropole. Donc, après le petit timelapse, j'espère qu'il vous a plu. Du coup en bas j'ai essayé de mettre des petits détails, des petits pots de fleurs, alors je sais pas exactement ce qu'il y a en ce moment, mais je sais que cet été il y avait des pots de fleurs donc je les ai laissés. L'hiver je sais pas s'il les laisse donc voilà donc je l'ai mis parce que de toute façon la map on va partir du principe qu'on est en été, vu que les terrasses sont ouvertes, puis quand je ferai le lac ce sera quand même bien plus simple. Je voulais vous montrer autre chose aussi, donc à la place de la mairie, je sais pas si elle a un petit peu avancé. Petit détail qui change un petit peu à droite à gauche. Voilà, avec les pancartes, j'ai fait le réseau de bus. Alors, ça, je veux absolument vous montrer. Donc, maintenant, il suffit de cliquer sur la pancarte bus pour se téléporter dans un bus, enfin, un bus géant, on peut dire. On est sous terre, hein, tout simplement. Et donc, là, on a la possibilité d'aller un petit peu dans à tous les arrêts de la ligne 1. Donc, si on peut aller du côté du Vieux du Lac, donc on peut aller à l'arrêt AU par exemple. Et voilà un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, c'est un petit système qui m'a pris un petit peu de temps à faire. Mais le résultat est plutôt sympathique. Ça permet de se déplacer rapidement du Vieux du Lac à Aix-les-Bains et puis même bientôt au sein d'Aix-les-Bains. Hein, parce que bon, pour aller de la gare jusqu'à la rue de Casino ou la rue de Genève par exemple, ça met un petit peu de temps quand même. En parlant de la rue de Genève, hop, on va se téléporter dessus. Il y a Monsieur Dripo qui a fait le marché. Donc il y a juste le bâtiment pour l'instant. Ça, de toute façon, ça va évoluer petit à petit. Il s'est passé quoi d'autre également? Ah oui, les deux maps que je suis en train de coller. Donc, voilà, donc c'est un gros chantier. Voir un petit peu ce que ça donne, donc ce sera tout pour cet épisode, donc c'était l'épisode 20 et on se retrouve du coup pour l'épisode 21 où on va passer du côté du vivier avec le crédit agricole. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo, si vous l'avez aimé, lâchez un petit pouce bleu, abonnez-vous. Bye bye.